Hello les sportifs! Welcome to my app de flash. Non, vous inquiétez pas, ça va être en français. Bonjour à tous, bienvenue dans mon salon. Petit cours d'app de flash, enfin gros cours, grosse intensité parce qu'on va travailler un seul groupe musculaire ce soir. 30 minutes à peu près d'abdos. Voilà, préparez votre tapis. Je suis super contente que vous soyez là. Je vous laisse le temps d'arriver, il faut juste un tapis, une gourde et on va démarrer. Salut Kiki, salut Aurélie, salut Nicolas, salut Fabrice, salut Nat, ça fait plaisir de vous voir tous là. C'est cool. On démarre quand on est 100, on est 41, 42, 43. Non, c'est cool. Salut Émilie, salut Christine, salut Aline, ça fait super plaisir de tous vous avoir dans mon salon. J'espère que vous allez bien, que malgré tout ça, vous avez passé une bonne journée. On garde la positive attitude, on va s'en sortir. On a fait le plus dur, j'espère. On tient le bon bout. Donc voilà, on va attaquer. Salut tout le monde, c'est cool. Salut Manon, on est 50. Salut Anthony, how are you? Salut ma collègue. Ah, Fabrice, il est avec ses enfants. Génial, tes deux petites machines. Ok, on va démarrer parce que je pense que vous en avez marre de m'entendre parler toute seule. on va commencer par un échauffement des abdominaux qui va consister en du gainage, du gainage, du gainage et du gainage. Ça correspond à 8 minutes oui, de travail qu'on va fractionner en séquence de 30 secondes. Je vous explique, on fait 4 tours de 30 secondes de gainage planche sur les avant-bras, sur les pieds. 30 secondes de gainage latéral à droite. 30 secondes de gainage latéral à gauche. 30 secondes de gainage Superman. Si vous n'avez rien compris, pas de panique. Je vais faire avec vous. On fait ensemble. Je mets le chrono. Vous me suivez. Et en cours de route, je vous donnerai des options. Ça commence tranquille. C'est des positions maintenues. Donc, pas de panique. Tout le monde va y arriver. Salut Léa. Salut Jérôme. Bonsoir tout le monde. Yeah, are you ready? Yes, let's go. Je prépare le timer. T'as rien qui était déjà préparé. La magie du direct. Every 30 secondes, on a dit. Et ça va correspondre à 9 minutes 30 avec les séquences de pause. Allez, c'est parti. Je lance le chrono par dans 10 secondes. Normalement, vous voyez le tapis derrière. Mettez-vous une petite musique que vous aimez bien et qui vous booste. Moi, je peux pas mettre de musique. Sinon, ma vidéo est coupée sur YouTube. Bref, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Mettez-vous la musique qui vous plaît bien. Et voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous ne m'entendez pas ou si vous ne me voyez pas bien. Allez, ready, c'est parti. Fini le blabla. Je lance le timer. Ok, on démarre en gainage planche. Donc, on se met sur les coudes, sur les avant-bras. 2, 1, et go, c'est parti. Alors là, si vous n'arrivez plus à tenir, l'option un peu plus facile, on pose les genoux. Mais tant qu'on peut, on essaye de rester sur les pieds. On essaye de bien creuser le ventre. On ne creuse pas les lombaires. On ne monte pas les fessiers trop. On se place pour bosser intelligemment et sans se faire mal. Allez, 10 secondes encore. J'ai mis des bras, mais je sens que je vais avoir chaud. 5 secondes. On essaye, si on peut, de ne pas reposer les genoux. Et go, on passe sur le côté. Donc là, on se met sur le coude, on tire le bras vers le plafond, on monte le bassin le plus haut possible. Je suis sur les pieds, option plus facile si ça ne passe plus. On vient s'installer sur le genou. Ça, c'est l'option plus facile. Donc là, on doit sentir le travail des obliques, les abdos qui font la taille, côté tapis. Allez, 8 secondes encore et on passe de l'autre côté. Donc vous pouvez juste tourner. Moi, je vais basculer de l'autre côté pour vous voir toujours. Vous avez vu la transition? Trop rapide. Allez, on tient. Pareil, là, on se concentre sur la partie qui travaille. Nos obliques côté tapis. On tire le bras vers le haut. Donc, ça va nous réchauffer gentiment. 10 secondes. On enchaîne avec notre gainage super. Dans 3... 2, 1, ok, on relâche. Gainage Superman, on décolle les bras, on décolle les jambes, on se redresse. Au bout, là derrière, essayez de coller vos deux pieds l'un contre l'autre le plus possible. Serrez à fond les fessiers. Si c'est trop dur, je ramène les bras, je tire les coudes vers l'arrière.
Mais si ça va bien, essaye de garder les bras devant. Allez, super. 5 secondes encore. Yes, on relâche. Mini pause. Et on va attaquer la même séquence encore 3 fois. Je viens voir. Tout va bien. Yes, ça a l'air d'aller. Au top. On se replace. On repart dans 20 secondes. On a un petit peu de récup. Si ça va bien les tours d'après, on ne fait pas de pause. Vous me direz. 10 secondes. Ça va ? 3, 2, 1 et go, c'est parti. Allez. On creuse le ventre, on inspire le nombril, on serre fort les fessiers. Si vous sentez que ça commence à creuser au niveau des lombaires, on vient poser les genoux au sol. Allez, super. 10 secondes encore. Donc si on peut, on essaye de switcher tout de suite sur le côté. 3, 2, 1 et hop, ça tourne. On se concentre, on essaie de sentir là où ça bosse. On pousse fort sur son bras. Allez, 15 secondes encore. Je peux faire coucou avec ma main. Hello. Allez, 5 secondes. Ouh. Ah, j'ai voulu faire une aussi belle transition que tout à l'heure. Je me suis tapée dans le mur. Allez, 20 secondes encore. Toujours, on essaie de tenir sur les pieds le plus longtemps possible. Si vraiment ça flanche, il n'y a aucun souci, on pose un genou. 10 secondes. Et on passe en Superman. Superwoman. 2, 1, Superman. Ok. Vous êtes chaud pour qu'on enlève la pause de 30 secondes après, là on enchaîne direct? Oui, vous êtes chaud. J'imagine que vous m'avez répondu oui. Ah, c'est quand même pas comme en réel. Allez, 10 secondes. On est foufou, on enchaîne. 5 secondes. Ok, on repart sur notre gainage planche. Au top. Donc là, on attaque le troisième tour. On se rappelle, il y en a 4. Allez, on creuse le ventre, on aspire le nombril toujours. 15 secondes. On sent qu'on commence à se réchauffer un petit peu. Ça fait mal aux épaules en fait.
Serrez le ventre, aspirez le nombril. Allez, 5 secondes et on switch au gainage latéral. Yes, super. Allez, c'est bien. Après ça, on se fait une petite pause et je vous explique la suite. Ça va bouger un peu plus. Allez, 10 secondes. Attention, transition. Oui. C'est de pire en pire la transition. Allez, 20 secondes. Essayez de garder la tête alignée avec le buste. Je me chante une petite chanson dans ma tête. Allez, super mal. Super woman. Serrez les pieds et on se redresse le plus possible. On contracte à fond toute la chaîne postérieure. Allez, c'est bien. Allez, 5 secondes. Et top, on relâche. Yes. Superbe. C'est bon, vous êtes chaud? Moi, j'ai déjà vachement plus chaud. Je regarde. Let's go. Tac, tac, tac. Ok. Bon, bah, vous allez venir au top. Alors, je coupe le chrono parce que il va continuer de tourner vu que j'avais inclus les pauses. Alors... Salut Pauline! On va enchaîner la suite. Au top si ça vous plaît. Fabrice, il est chaud bouillant. J'aime bien lire vos petits commentaires. J'ai pas l'impression d'être toute seule comme ça. C'est cool. Alors, how are you? J'ai pas le temps de te répondre, mon pauvre ami. Alors, la suite. 4 tours pareil à faire. De plusieurs exercices, ça fait une pyramide. On fait 3 exercices et on redescend les mêmes dans l'autre sens, vous allez comprendre. Donc on commence par 40 Russian Twist, je vais vous montrer. On enchaîne avec 20 Alternate Leg V-Ups, je vais y arriver. Je fais semblant d'être super bilingue, mais des fois je bug. Et on termine avec 20 secondes de Hollow Hold. Ensuite on reprend nos 20 Alternate Legs V-Ups et on termine nos 40 Russian Twist. C'est bon? Pyramide. Pyramide. Donc, le but là, c'est pas comme un WOD, c'est pas d'y aller comme un dingue et de finir le premier. Objectif, faire brûler les abdos et bien travailler les abdos. Donc, prenez votre temps, faites bien les mouvements, mettez un max d'amplitude. Si les Russian Twist, si on n'est pas ensemble, c'est pas grave. Les Alternate Legs V-Up, si on n'est pas ensemble, c'est pas grave. On essaie juste de se retrouver, on s'attend, sur les 20 secondes de Hollow Hold. Et puis le reste, après, vous pouvez être un petit peu en décalé par rapport à moi. Ça marche? Je vous montre les 3 mouvements. Souvenez-vous, il n'y a que 3 mouvements qu'on va répéter. Et je vous donnerai des options, pas de panique, avant qu'on démarre. Ah oui, j'ai sorti les abdos. Alors, notre premier exercice, le Russian Twist. On vient s'asseoir en équilibre sur les fessiers, on essaie de bien arrondir le dos. On creuse le ventre et avec les mains, je viens toucher le sol de chaque côté. Pivoter les épaules, pivoter la tête. Si vous gardez la tête et les épaules droites et que vous bougez que les bras, ça ne va pas bosser les obliques. Et c'est notre objectif, bosser les obliques. Donc, twistez bien le buste. Si ça devient trop compliqué, option plus facile, je pose les talons et je continue les Russian Twist. Ça marche? Donc, c'est celui-là qu'on fait 40 fois. Ensuite, on enchaîne les 20 Alternate Legs. Genre m'alterner en français. V-E pour ne pas rallonger. Ici, on fait un V. Vous voyez à peu près avec les jambes et le buste, faut s'imaginer. Je touche une jambe, ça fait 1. Je touche l'autre jambe, ça fait 2. 3. 4, etc, etc. Je vous montre l'option un peu plus facile. Je monte jambes fléchies. Et on alterne droite et gauche. Ça marche. 20 comme ça. Et on termine, c'est là où on se retrouve sur les 20 secondes de Hollow Hold. En gainage cuillère. On essaye de faire une forme de banane. On tient 20 secondes. Je vous montre option un peu plus facile. Je ramène les bras.
Option un peu plus facile, je ramène les jambes ou les deux jambes. Ça, c'est le hold hold. Et ensuite, on se refait les 20 alternate legs V-up. Et on se refait les 40 Russian twists. Et là, ça correspondra à un tour. On s'en fait 4 comme ça. Are you ready? Yes, you are. Je regarde le timing parce que je parle. Oui, il nous reste déjà plus qu'un quart d'heure. Ok, c'est parti. Mortel, ok, je lis. 3 mouvements, oui, 3 mouvements. Alors, je fais tourner un chrono en continu. Comme ça, au moment où on arrive sur le hold hold, on s'arrête et on le fait tous ensemble. Allez, c'est parti. Let's go. Ok, donc je vais compter tout haut. Soit vous calez sur mon rythme, soit vous faites le vôtre, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour les Russian twists. Je vous dis toutes les dizaines. 10. 20. 30. 40. Super. Là, on enchaîne avec nos 20 alternate legs V-up. 19 et 20. Ouh, celui-là, là, vous devez le sentir ici, là, ça doit faire une barre sur la partie supérieure des abdos. Je regarde mon chrono, on part en 2, 1 et go pour le holo hold. Donc là, on fait une belle forme de banane. Si le dos il creuse, vous rapprochez une jambe absolument. Il ne faut pas que votre dos il parte comme ça, il creuse à fond. Vous feriez mal au lombaire. Allez, 5 secondes. Et top au relâche. Ouh, ready? Donc là, on fait notre pyramide dans l'autre sens. Les 20 alternate legs V-up et les 40 Russian twists. Et on pourra prendre une pause. Ça sera notre premier tour. Russian twist. 1, 2, 3, 4, j'en ai toujours 40. 10. 20. 30. 40. Ouh, super. On fait une mini pause. On se laisse aller une toute petite minute. On boit un coup. J'ai déjà une barre aux abdos là. Et vous, ça donne quoi? Ça chauffe? J'attends vos réponses. Coucou de retour, mais pas encore sportivement. Courage! Allez, on repart dans 30 secondes. Relâchez bien les abdos. On est cuit. Courage Fabrice! Pareil, ça chauffe fortement là. Ça va être chaud patate. C'est qui va avoir des abdos de rêve? C'est nous. Allez, on repart en 15 secondes. Tour number 2. Allez, 3, 2, 1 et go, c'est parti. Vingt.
enchaîner. Nous va alternate legs, V up. N'oubliez pas, il y a les options. Bravo. Ah. Hello Cortex. Salut Megan. Ça brûle carrément. Moi j'ai les abdos en feu, là j'ai une barre de fer. Ah, je savoure la minute. Il nous reste encore 30 secondes. Et vous, comment ça va? N'hésitez pas à venir me dire en commentaire comment ça va. Tu déchires, oh, c'est gentil ça. Je peux pas te suivre jusqu'à la fin malheureusement. Ah mais c'est gentil, merci à toi et bonne soirée si tu t'en vas. Ah tu faisais le double tu... Il y a Odile qui me dit qu'elle en faisait 40 de chaque côté du Russian Twist. Une dingue. 80 Russian Twist. C'est déjà bien assez. Oh là là, il ne reste plus que 10 secondes, je me remets en place. Allez, troisième tour les amis. Ok, c'est parti. Et top au relâche. Ah.
chaîne twist et on pourra prendre la pause. Et let's go. Dernier tour. Allez, dernier effort. Mal, c'est dur. Pas habitué. Courage, mais je t'assure, pour moi c'est dur aussi. Là, j'ai une barre de fer. Mais c'est comme ça qu'on aura des beaux abdos. Donc là, on se fait le dernier tour. Je regarde, ça repart nos 30 secondes. Et après, c'est terminé. On s'arrête là. On aura nos 30 minutes d'abdos. Donc super intense, mais super rapide. Donc donnez-vous à fond, c'est le dernier tour. Ça repart déjà dans 15 secondes. Allez, on se remet en place. Courage, c'est le dernier. J'essaye de maintenir le timing, ne pas trop dépasser. Ok, c'est parti. 10. 20. 30. 40. Ouh. Ok, on enchaîne avec les alternate legs V up. Et vraiment, n'hésitez pas à prendre les options. Il n'y a aucune honte à prendre les options. Vaut mieux prendre les options et faire les mouvements à fond que faire le vrai mouvement entre guillemets et puis massacrer un peu la technique du mouvement. Allez. 10. 16. 17, 18, 19 et 20. Ouh. Allez, mini pause, on part dans 10 secondes pour le hold. Pareil, n'hésitez pas à prendre les options, il faut absolument que vous arriviez à garder un dos rond. Allez, go. Allez, on s'accroche. D'abdos, bon, avec quelques pauses, mais quand on bosse que sur un groupe musculaire, c'est obligé de faire des pauses, on tiendrait pas à faire 30 secondes non-stop. Vous voyez comme c'était dur, et là on a fait exactement 15 minutes de travail, pareil avec des petites pauses. Bravo à vous,
Je vous check. Vous avez fait une super séance. Je suis fière de vous. C'est top. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez les abdos on fire. Moi, je les sens bien. Ça, c'est une séance que j'ai piochée dans le e-book que j'ai fait. Ça s'appelle le Core Training Guide. C'est 30 séances d'abdos que moi, je fais régulièrement. Donc voilà, il est dispo sur mon site internet www.carofitcoach.com. Et de ce soir 20h jusqu'à dimanche soir 20h, je fais 20% sur tous mes e-books pour le fameux Black Friday. On en entend bien parler, donc on ne peut pas le louper. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est le moment ou jamais, c'est l'instant promo, c'est bon, j'arrête. Eh bien, bonne soirée à vous. Merci beaucoup d'avoir été présent. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous souhaite une super soirée, un bon week-end à venir. Et je vous dis à très bientôt.